Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un peu la partie 2 d'une vidéo que j'ai déjà faite. On avait fait il y a quelques temps, je sais même plus quand est-ce que c'était, une vidéo où mon copain Jérémy me relookait. Et aujourd'hui je vais le relooker. Tu sais que bon, j'ai toujours pas vu, ça se trouve c'est horrible ce que j'ai commandé. Faut savoir un truc, c'est que Jérémy, toute sa vie, c'est jean sweat. Quand t'as un rendez-vous, tu mets un col roulé. Non, je mets des cols roulés, ouais, ok. Voilà. Après, il y a le confinement. Quel rapport? Vas-y, fais pas genre le confinement, c'est à 4 ans, mais si tu mets des cols roulés, j'ai porté beaucoup de pulls dans ma vie, mais les pulls me vont très bien jusqu'à ce que je les lave et après ils me vont plus. Et donc, j'ai arrêté d'acheter des pulls parce que j'en ai marre d'avoir des pulls trop stylés, je les lave. Donc, jean sweat. On est d'accord. Dans cette vidéo, tu vas mettre tout sauf des tenues qui sont censées te plaire. Ah oui, autre chose, il n'y a pas de chaussures. C'est tenue d'intérieur. Ok. T'es absolument pas prêt. 4, 5, 6 tenues. C'est pas ton style, mais ça peut être stylé déjà. Juste, il y en a une qui est horrible. Je le vois là d'avance, c'est horrible. C'est une tenue, c'est la plus soft. Ça, c'est la plus soft. Nous avons un sublime pantalon. Wow. Alors là, bon chance, y'a rien qui va. La coupe, y'a rien qui va, mais ok. Et un t-shirt tout simple, un peu oversized. Oh bah oui. Arrête. Okay. Putain, le respect, n'hésitez pas, ça va pas marquer la vidéo, parce que tout le monde me voit comme ça. Il faut sortir de sa zone de confort, Jérémy. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On dirait que t'es en pyjama. Bah oui, on est... évidemment, on dirait que t'es en pyjama. Je t'ai jamais vu comme ça. C'est atroce. On dirait un papy, genre, catastrophe du dimanche. C'est horrible sur toi. Mais c'est tellement pas ton style, ça me choque. En fait, mon corps, on dirait il est différent. Je vais faire un plan sur toi. Et c'est juste que c'est pas ton style. Il y a des mecs sur qui ça passe trop bien. Mais toi, c'est pas du tout ton délire. Bah, c'est un beau pyjama. Ok, tu me mets combien sur 10? Franchement, je sais pas, c'est explosé au sac. Je mets 3. Mais ça se trouve, t'as toujours choisi des trucs encore pires. Bah, tu vois. Franchement, si ça, ça va pas, j'ai peur. Mais vas-y. Ah ouais? Change de titre, mais je ridiculise mon mec sur internet. Mais non. C'est un ensemble un peu genre jogging pilou pilou. Quoi? Ok. Avec un sweat, avec en dessous la capuche qui ressort. Je comprends rien, ok. Et c'est un truc spécial, c'est un truc qui s'ouvre un peu, tu vois. Et une sacoche. Une sacoche? Ça n'a pas de sens. Ah, mais comme ça. Ah, tu me respectes vraiment pas. Ah, je suis choqué. Ça va être bien. On dirait que je vais amuser les gosses. Personne n'achète ça pour son nom. Aucun mec n'achète ça. Vas-y, mais règle-la, ou mets-la. Elle est trop petite. Je demande, est-ce qu'il y a une abonnée sur Terre sur un mec qui s'habille comme ça? Quel intérêt? C'est doux. Bah ouais, c'est doux. Je vais te montrer la photo sur le truc. Non mais ça pouvait être stylé, on est d'accord. On est d'accord, mais voilà. Mais non. Mais tu vois bien que j'ai pas fait exprès. Non mais franchement, c'est moins pire que l'autre tenue, je trouve. Il faut savoir un truc, c'est que ce n'est pas du tout ton style. Genre ça ne te va pas. C'est pour sortir. On est d'accord, sur la photo, ça va au mec. C'est stylé, c'est juste pas ton style à toi. Je respecte tellement pas. Ok. Pourquoi? Ok. C'est un 1 sur 10, voire un 0 sur 10. 1 pour la douceur. 1 pour la douceur. Là, ça, c'est la quoi? C'est la pire de toutes ou il y a encore pire? Ouais, voilà, c'est fini. Je te prends une prochaine tenue vu que tu fais ton difficile. Alors, un pantalon beige et un pull qui sort un peu de ta zone de confort, mais ça va. Tu vois, on est d'accord que ça peut être stylé. Oh, c'est trop grand, mais ouais. Viens là, toi. Mais à vous, ça change, mais c'est pas. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, moi, j'aime bien. Ouais, ça passe. Tu mettrais combien? Je sais pas, 6. Genre tu sais pas comment t'habiller, là t'as ça, est-ce que tu pourrais t'habiller comme ça? Ouais, peut-être pas le pull en fait. Mais faudrait plus que tu mettes des pantalons un peu comme ça pour tous les jours. Ouais, les pantalons je pense qu'ils passent bien. Ouais, tu as regardé? Non, quand même pas. On respecte pas. Nous avons c'est un ensemble de jogging, un pantalon avec un t-shirt. Mais ça c'est spécial, c'est des couleurs que tu mets pas, il y a des motifs et tout. Et un bonnet, et c'est genre un mini bonnet. Qui se pose juste sur le haut du crâne. Vas-y. T'as 230 000 personnes qui suivent, qu'est-ce que t'es malade? Ils veulent voir! Un peu de respect pour mes abonnés! Mais c'est quoi le concept? C'est de sortir de ta zone de confort! Franchement, ça va! Hein. Dans quel monde ça va? T'es malade quoi? La couleur elle est immonde, les coupes elles sont immondes, les motifs ils sont immondes, y'a rien qui va. Regarde! Déjà, tu vois pas que la couleur y'a un petit problème, c'est pas du tout la même couleur en vrai que en photo. Bah, là, je suis d'accord. Ah bah alors. Waouh, mais de ouf! Bah ouais. Mais avoue, comme ça, ça aurait été plus stylé. Ouais, peut-être, mais c'est pas comme ça. Donc voilà, c'est ça que j'avais commandé. Franchement, ça passe, Jérémy. Hein. Mais non, mais c'est un style. Arrête de dire ça. C'est pour la vidéo que tu me respectes pas. Mais dans la vraie vie, tu penses pas ça. Je te jure que c'est vrai ce que je te dis. Yes. C'est pas stylé sur toi, mais la tenue pas stylée. C'est pas ton style. Quelle note tu lui donnes sans le bonnet? Parce que je sais que t'aimes pas le bonnet. Pff, rien, 0. Mais t'abuses. J'ai passé tout ce temps pour ça. C'est nul à chier. 1 sur 10, c'est nul. C'est nul. Tu peux pas dire le contraire. C'est nul. C'est horrible. Ouais, bah je suis ok. Donc tu lui mets combien? 1 sur 10. Je sais quelle tenue je vais te donner là. Il y a une tenue. En voyant comme ça, je sais que ça sera pas comme j'avais imaginé. Donc je sais que les couleurs, il y a rien qui va aller. Donc ça là, ça allait ça. Ouais. Prochaine tenue. Un t-shirt beige Puma. Une chemise verte.
Pour l'instant ça va? Ou ouais, c'est un petit peu trop hors de ta zone? Moi, non mais moi c'est une tenue, c'est, ça me dérange pas, c'est une tenue. Et un pantalon. Oversize, plus qu'oversize. Waouh, il est mon, il est énorme. Bah il devait pas être comme ça. Mais c'est quelle taille ça? C'est ta taille hein. Non mais attends. J'avoue qu'il est énorme. Non mais attends, il est plié en deux, il fait la taille qu'il devrait faire en déplié. Ça va, c'est une vraie tenue en fait, il y a une recherche. Ouais, et après je vais prendre un dans la gueule, mais vas-y. Non, oui, 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 bien sûr. Franchement, c'est pas mal. Enfin, le haut, en vrai, c'est le genre de truc que tu pourrais mettre. Le pantalon, juste, c'est pas trop ton délire. Non. Mais je trouve que ça passe, tu vois. Le pantalon, ça passe. Non, après, je trouve que genre le pantalon est bien avec un sweat peut-être. Et ça, plus le t-shirt, c'est bien, mais ensemble, c'est pas non plus dingue. Tu pourrais t'habiller comme ça. Là, là, tu dois sortir. Tu sors comme ça. Comme ça, là. Ouais. Non, avec des ajustements. Tu fais grave, genre, c'est dans tes habitudes. Je n'ai jamais vu de ma vie. Non, le pantalon, il est trop large. De ma vie entière, je n'ai jamais vu Jérémy avec un pantalon un peu comme ça. Si je devais porter. Jérémy, c'est des jeans, y a rien d'autre. Non, sérieux, tu mets combien? Je peux mettre 6 pareil, 5, 6. Elle est moins bien que le plus ouais, rose. Ouais, ouais, bah oui. Bah, en vrai, ça me fait plaisir. Le plus rose, tu peux le mettre, je pourrais sortir maintenant comme ça. Ça me fait plaisir. Tu préfères que tu sortes avec le plus rose qu'avec ça. Ouais, voilà, tu vois. Et bah, il reste qu'une seule tenue. Nous avons un pantalon rose bonbon, un rose un peu poudré, genre clair, et un sweat New Balance blanc. Un sweat à capuche, et je me dis rose blanc, c'est trop beau. Parfait. La recherche est là, mais les coupes vont pas. Le pantalon il est beaucoup trop oversize. Bah, le pantalon un peu, plus serré, comme ça, tu vois. Ce serait bien plus stylé avec le sweat. Mais le sweat il est bien, hein. Par contre, le pantalon est trop stylé. Mais il est stylé, la matière et tout, elle est stylée. Ouais, il est doux. Ouais, ouais. Le sweat, bon, ça passe, mais je pense que tu peux trouver mieux. Je trouve que ça va, la couleur, le New Balance est un peu vert comme ça, il est trop beau. Franchement, moi je trouve ça grave beau. Ouais. Bon, bah voilà. C'est tout. Comment ça, c'est tout? J'ai fait 6 tenues. Bon, en tout cas, tout le monde sera d'avis pour dire que mon choix est mieux que le tien. Franchement, t'es pas cool. Non, mais en fait, le truc c'est que toi, le mec, il est allé chez Mag. Chez Sandro. Évidemment que tu peux pas te tromper quand tu vas chez Maj, chez Sandro, et que tu demandes à la vendeuse: ma copine a fait une vidéo, je dois la relooker, qu'est-ce que vous me conseillez? Et que t'achètes une tenue à 400 balles, bien évidemment tu te trompes pas. Moi j'ai pris mon petit site, j'ai pris mon Asos à quand tu tapes t-shirt, ils te sortent 23 000 exemplaires, et là tu cherches. Et après tu fais des ensembles et tu fais 6 tenues, et crois-moi ça c'est du travail. Minutes, déjà sur Asos, regarder une page ça te prend 2-3-4 heures. Ok, vas-y. Quelle note tu lui mets? 5. 6, vas-y 6 parce que je suis gentil. Bah je le prends un peu mal mais c'est pas grave. Ça je pourrais porter, tu mets des chaussures, genre d'autres paires de chaussures. Mmh. Et des bonnes tailles, tu peux porter. Mmh. Ça avec un genre un col roulé crème, bien épais. Je suis d'accord. Et là c'est trop stylé. Bon, est-ce que t'es content ou pas? Franchement non. Non, tu m'as pas relooké, c'était genre je me fous de la gueule de mon mec. Mais pas du sur tout. Sur 6 tenues, sur 4 tenues. Je change le style de mon mec, je sors de ta zone de confort. Je suis d'accord, il y a plein d'articles, je pensais pas que ça allait être comme ça, mais globalement... T'es d'accord qu'un mec, tu peux trouver quelques dingueries pour bien changer son style, mais frais. Je suis d'accord Jérémy, mais sur Asos, tu te rends pas compte. Ok, mais il y a pas qu'Asos. Il y a de tout sur Asos. Tu t'y es pris la dernière minute. Bon vas-y, moi je suis contente. Ok. Je t'ai vu avec d'autres vêtements, peut-être que jamais de ma vie je te reverrai avec. Si, mais il faut plus des pantalons comme ça, tu vois. Parce que moi j'ai un problème, c'est que j'ai pas de juste milieu entre le travail et les le travail et genre le casual. Ouais, est-ce qu'on est d'accord que cette vidéo t'a aidé à te faire te rendre compte, que ce genre de pantalon ça pouvait t'aller? Ouais, peut-être. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, moi je suis très contente, même si t'as pas trop aimé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si jamais la vidéo vous a plu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois ensemble comme vidéo? Dis-moi, t'as une idée? Bah non, j'ai pas d'idée. Bah dites-nous en commentaire. D'habitude, on a toujours une petite idée, un petit truc. Non, là j'ai pas d'idée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Merci Jérémy pour ta participation. Ça va que genre je suis pas salarié d'une boîte avec 500 collègues quoi. Parce que là lundi là, la vidéo elle sort le dimanche, le lundi c'est fini. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo.